E.T. sont de retour. Certains les ont déjà vus et ils leur ont dit « Vendredi, vous serez surpris. C'est la nuit extraterrestre. » Vous appelez Aïdjere Béanzin, ex-souverain du Dahomey. Nous, en pays tal à présent. Oh, voilà, fruit de ma fille. Que signifie l'exil de cet Africain ici, en Martinique? Vous devez nous amener là un chien enragé. Non, monsieur. Un homme. Bienvenue en Martinique, monsieur. Vénéré chez lui, au Dahomey, comme un dieu vivant, le roi déchu perd d'un coup tous ses repères. J'ai peut-être du sang africain, mais je ne suis pas africain. Vous êtes qui? Vous êtes mon prisonnier, il faut pas oublier ça. Hein. À partir d'un fait historique, différentes intrigues se nouent autour du roi, de sa cour, de son fils et d'une mystérieuse femme dont il tombe amoureux. Cette femme te mange. C'est une femme qui me l'a offert. Trouvez-la-moi. Je le croyais uniquement préoccupé par son retour d'Aron. Vous avez vu cette femme-là? Et pourquoi il l'a cherché à Champ? Pour l'épouser, certainement. Pas une créole. Comment se battre si le maître du monde lui-même ramène l'étranger? Ton âme est prisonnière de ce qui n'est pas, de ce qui ne sera jamais le Dahomey. Cette femme ne doit pas venir ici. Toute la problématique du métissage des cultures. L'exil de Béanzin, mercredi à 23h55.